fait encore beau. Demain c'est terminé, la météo change. L'été est fini. Nous on va partir vers notre premier hôtel. On va suivre le guide. Durant notre trajet pour rejoindre l'hôtel, nous avons fait un arrêt dans la région de Krýsuvík, où nous avons pu voir nos premiers solfatars. Ça pue le fruit. On peut le dire. On peut le dire. Nous allons aujourd'hui faire le tour du Cercle d'Or, qui regroupe les sites les plus touristiques à faire en Islande. Nous commençons avec le site historique de Þingvellir, premier site islandais inscrit à l'UNESCO, qui était autrefois le Parlement. Outre son intérêt historique, ce parc national est également connu pour son site géologique, car c'est ici que se rencontrent les deux plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. Là maintenant, on s'est arrêté pour manger. Nous venons d'arriver à Geysir, qui a donné le nom de Geyser. Et donc là, on va attendre que le prochain réapparaisse. On a vu le geyser, on est content. C'est clairement une activité très touristique, mais à faire. Très gratuit aussi, donc bon, ça vaut le détour. Sachant qu'en plus, il n'y en a que 5 dans le monde, dont 2 en Islande, faut le savoir. Nous reprenons la route et nous arrivons maintenant au troisième site principal du Cercle d'Or, la cascade de Gullfoss. Il y a eu un barrage hydroélectrique qui a failli être construit sur cette rivière qui s'appelle Hrafnsvita en islandais. Quel accent! Avec la régulation et la retenue d'eau, ça aurait détruit la cascade. Et il y a une petite fille qui voulait sauver la cascade à tout prix et qui a menacé de se jeter dans la cascade si le projet de barrage hydroélectrique avait lieu. Elle a milité pour la défense de la cascade. Ça n'a pas suffi qu'elle menace de se jeter dans la cascade. Donc elle a fait le trajet d'ici jusqu'à Reykjavik pieds nus pour militer contre la destruction de la cascade. Et elle a eu gain de cause. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut admirer cette magnifique cascade. Avant de prendre le bateau pour rejoindre les îles Vestmann, nous avons fait un arrêt à la cascade Seljalandsfoss. La météo change très vite ici. Il est temps pour nous de rejoindre l'embarcadère. C'est énorme, vous voyez le sable là? Là on part sur 45 minutes de traversée. Après une traversée quelques peu mouvementée, nous arrivons enfin au port de Heimaey, île principale de l'archipel. Bon, les amis, départ pour une rando de l'extrême. Toute la journée dans le froid, la pluie sur les îles Vestmann. Il y a eu un peu la tempête hier soir. Le temps est pas ouf, mais ça devrait empirer dans la journée. En fonction de ça, on verra si on fait la rando en entier ou pas. Polaire, Boudoun, Kawi. Faut pas hésiter à mettre plusieurs pouces. Nous débutons notre randonnée sur l'un des deux volcans de l'île, afin de rejoindre son cratère. D'en haut, vous aurez une vue imprenable sur l'île.
Nous continuons en randonnant à travers les coulées de lave formées lors des éruptions passées. Là, on s'est coupé au max parce que le temps n'est pas incroyable. Nous rejoignons ainsi le second cratère, celui du volcan Deltfel, qui signifie montagne de feu, et qui entra en éruption en 1973 et marqua ainsi l'histoire de cette île. Après une longue journée sur l'archipel, il est temps pour nous de reprendre le bateau. Petit réveil aux aurores comme d'habitude avec les petits moutons. En Islande, vous verrez, il n'y a que ça partout. C'est trop mignon parce qu'ils se déplacent toujours à trois. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des cascades de l'île et notamment l'une des plus célèbres, Skógafoss. Nous commençons par la cascade de Kvernufoss, petite cascade cachée au fond d'une gorge. Cette cascade est beaucoup moins fréquentée que celle d'à côté, mais vaut vraiment le détour. Juste à côté de l'hôtel et on reprend le chemin pour aller voir de l'autre côté une autre cascade. Nous partons maintenant randonner le long de la rivière de Skoga. La rivière se jette de cascade en cascade jusqu'à finir à celle de Skógafoss, la plus impressionnante. Nous sommes arrêtés au glacier Seul mais majesté. Nous avons pu constater sur place son rétrécissement lié au réchauffement climatique. Le lac à son pied existe d'ailleurs seulement depuis 10 ans. Et me direz-vous, pourquoi le glacier est noir? Eh bien c'est lié à l'éruption volcanique. Vous allez me dire comment tu sais ça, Chloé? Merci Étienne, notre super guide. Nous avons fait la randonnée pour se rapprocher du glacier. Mais il est également possible de faire une randonnée organisée sur le glacier. Puis nous avons fini la journée avec une dégustation de bière locale, bien évidemment. Il y a la plage. Donc d'un côté, nous avons une magnifique vue. Et de l'autre, un immense arc-en-ciel. Je ne sais pas si on va le voir. Et là, l'océan, enfin, c'est magnifique. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le Mýrdalsjökull. Nous allons marcher jusqu'à son sommet en passant à travers différents paysages, tous plus beaux les uns que les autres.
Salut, salut. Alors aujourd'hui, on repart sur une randonnée. Le soleil est avec nous. Ça y est, fini la pluie, normalement. Petite info, je vous ai dit que les moutons, je les voyais toujours par trois. Et ben en fait, il s'agit des mamans et de leurs bébés, parce que souvent les portées, c'est des portées de deux. Vous voyez, c'est le plus haut sommet glissant. Nous sommes ensuite passés à travers le parc national de Skaftafell et nous avons pu admirer la magnifique cascade de Svartifoss. Fin de randonnée, il est actuellement 13h15. Nous partons maintenant pour Diamond Beach. Vient d'arriver. Et donc là, les icebergs partent de ce glacier-là. Vont ensuite dans le lac juste ici et repartent par la mer juste derrière qu'on va aller voir. Dernière rando, on va aller dans les fumerolles, on les voit au loin là. Donc on va aller se baigner dans un lac d'eau chaude, plein d'argile, ça va être sympa. C'est parti! Pour nous de rejoindre Reykjavik, la capitale de l'île, et de rentrer à la maison.